subreddit aujourd'hui. Plagiat Squeezie, plagiat Joycan, non, je n'ai pas plagié. Tout le monde fait ça aujourd'hui sur YouTube. Non, en vrai, je suis tombé sur un subreddit excellent. Il a peut-être déjà été fait, mais j'avais absolument trop envie de faire cette vidéo. Du coup, je vais pas me priver de wesh. Je vais pas me priver, ok? Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Le subreddit aujourd'hui, c'est Next Fucking Level. C'est les gens qui sont vraiment au niveau dessus, quoi. Next Fucking Level, bitch! Non, on va enlever le bitch. Non, aujourd'hui, c'est une vidéo cool, on va éviter les insultes, ok? Vous avez peut-être remarqué, nouveau décor. Ça sera le décor... Le décor pour le futur, quoi. Enfin, ce sera de ce décor... Ouais. Alors, vous inquiétez pas, il va pas rester comme ça, je risque de l'améliorer. C'est même sûr, en fait, que je vais l'améliorer. Salut, moi c'est l'Amélaurier, je suis un mélange d'améliorer et de laurier du coup. Allez, ciao. C'est même sûr en fait que je vais l'améliorer. Mais pour le moment, voilà, je commence à m'installer tranquillement. Si c'est pas encore fait, laissez-moi un énorme pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et s'il vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche, c'est super important pour être au courant dès que je sors une vidéo. Et let's fucking go. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je prends un accent américain. Ouais, je suis américain, qu'est-ce qu'il y a? Je suis américain. Les hot dogs, tout ça, je connais, ouais. Le hockey? J'en ai fait 7 ans. Yeah. Bon, c'est gênant. Gênant. Ce mec a un muscle central au-delà de tout ce que j'ai vu. What? Attends, comment il fait? C'est un fake, c'est un boomerang. J'ai capté, c'est un boomerang, Instagram. Non, non, il fait vraiment ça, mais le mec est trop chaud en fait. Hop, la voix off, à ce moment-là, j'avais envie de faire caca, pipi et de vomir en même temps. Voilà, donc je vous ai laissé la scène parce que j'ai trouvé ça drôle. Allez, on reprend la vidéo. Ok, donc ça c'est le même gars, mais qu'est-ce qu'il fout? Genre lui c'est son kiff tous les matins avant d'aller au boulot. Allez tac, on s'accroche à une barre, on fait tourner une plaque. Attendez les gars, attendez. Eh les gars, je me suis mis à la muscu, hein. J'ai acheté ça aujourd'hui, on va essayer de faire pareil. Bon là évidemment on le fait pas avec un million de kilos. Lui il le fait avec des camions, on va tester. Trop facile, sans regarder. Trop facile, trop simple. Je fais ça tous les matins moi aussi, voilà. L'homme voit un accident arriver et court à la porte pour aider un homme à sortir. Attends, je comprends pas là. Mais attends, mais le mec c'est un héros. C'est trop drôle, le mec il sait pas quoi faire. Ah, attends, mais clairement il lui a sauvé la vie. Mais moi en fait je l'embrasse ce mec. Ce mec je le veux dans ma famille, je l'invite à Noël. Ce chargeur Tesla a l'air d'être tout droit sorti d'un film de science-fiction. What? Attendez, mais les gars, mais c'est le... Les gars, je vous dis, on est dans le futur. On est dans le futur les gars, hein. C'est abusé, hein. Franchement je vous le dis, Elon Musk bientôt il va changer le monde. Les gars, on est en 2021, c'est que le début. Dans 10 ans vous allez craquer. Il y aura des voitures volantes, il y aura des bateaux volants. Il y aura des cerfs volants, ça existe déjà je crois. Waouh, ok, c'est complètement ouf. C'est incroyable. Je sais pas comment réagir à cette vidéo en fait. Pardon. En fait, c'est des lunettes 3D, et quand tu les mets, j'arrive pas à expliquer, je suis vraiment nul en explication, la famille, je vous jure. Bref, vous avez compris la vidéo. Voilà, il met le rouge, on voit du rouge, et il met le bleu, on voit du bleu, quoi. C'est bon, tu sais. Vous avez compris, quoi. Pas besoin de vous expliquer, quand même. Vous êtes assez grand, bordel. Ok, descente extrême à vélo. Ça, ça m'angoisse, je vous jure, c'est les vidéos, mais ça m'angoisse. Mais je kiffe à la fois, hein. Là, en fait, il tombe, il meurt, hein. Mais comment le mec a les couilles pour faire ça en fait? C'est des gens en fait, ils ont pas peur de la mort, c'est comme ceux qui grimpent sur les toits là, à Paris. Ceux qui se tiennent sur les grues à une main. Oh, ça me frissonne, mot qui n'existe pas d'ailleurs. J'invente des mots aussi, voilà, on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir ici, bordel. Bon, j'en ai assez vu pour aujourd'hui, là franchement, c'est bon quoi. J'ai ma dose de vélo, ok? Une lampe qui peut changer de forme et de distribution lumineuse. Incroyable. Mais ça me choque pas. Chez mon père, on a la même. Pas la même, hein. Presque la même. C'est un truc qu'on a chopé chez Ikea. Je vous mettrai les photos si je la retrouve. Si je la retrouve pas, bah tant pis pour vous. Voilà. Et ça fait presque pareil, ça fait le même effet. Et en plus, celle de mon père, elle est mieux. Voilà. Toc, tac, TikTok. Allez, me suivre sur TikTok. Lulu la machine. Le chimpanzé prend conscience de lui-même lorsqu'on lui donne un miroir. Dédicace à J. Patrick Malone, 2019, on sait pas qui c'est. Il est peut-être mort en 2019, on sait pas. C'est la première fois que le chimpanzé se regarde dans un miroir. Ok, c'est incroyable. Ok, waouh. Bon, on sait pas trop ce qu'il fait le chimpanzé là, on m'explique. Il sait pas que c'est lui en fait. Il est en train de capter que c'est lui. C'est trop beau, je trouve, c'est incroyable. C'est magnifique. Ah, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer, c'est bon. C'est bon, on pleure pas là, on est des bonhommes nous. T'as cru que j'étais qui moi? Un homme japonais recherche toujours sa femme disparue depuis le tsunami de 2011. Oh non, c'est trop triste. Attends, mais de base, c'est pas une vidéo triste que je voulais faire. Hein. Ah, ouais, c'est bon, sortez les mouchoirs. Vidéo triste, c'est bon. On se transforme. Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous faire chialer. Voilà, prenez une boîte de mouchoirs, vous allez chialer à mort. Si ce n'est pas le prochain niveau, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais les mecs, ils sont trop chauds en fait, ceux qui font ça. What?
Ok, le mec est beaucoup trop chaud. Mais attendez, mais il est suicidaire, le mec. Il y a vraiment des mecs qui font ce métier, quoi. En tout cas, respect à eux. Il y a intérêt à s'accrocher, là, parce que... En fait, là, il tombe, il meurt. Hein. What the fuck. Trampoline au sol. Ah, trop bien fait, ces montages. J'adore. En fait, c'est plusieurs photos qui s'enchaînent, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Le mec est trop chaud, hein. C'est de l'art. Bravo. Glisser dans les Alpes suisses en wingsuit. Ok, ça c'est complètement ouf. Incroyable. J'adore. Là pareil, hein, t'as pas intérêt à te manger un arbre. Tu vois, ces mecs, quand ils étaient petits, c'était en mode mon rêve c'est de voler comme un oiseau. Mais voilà, mec, t'as réalisé tes rêves. T'as réalisé ton putain de rêve, bordel. T'as cru en toi. Et maintenant tu voles. Tel un oiseau. J'suis avec toi, mec. J'suis avec toi, mec. J'suis avec toi en ensemble. Cette limace peut se couper la tête pour tuer les parasites. J'aurais pu faire un TikTok hein, sur ça. Hein. What? Attendez, mais c'est un zombie le truc. Ok, donc ça c'est la tête de la limace. Et après elle va se recoller. Attends, je comprends pas. Mais ouais, après j'ai l'impression qu'elle se recolle la tête. Mais c'est trop ouf. J'avais même pas que ça existait. Incroyable. La nature est folle. L'image la plus claire de Mars jamais prise. C'est incroyablement beau. Dire qu'on a envoyé des robots sur ça, c'est à des milliers de kilomètres. Et bientôt il y aura des humains qui iront sur cette planète. Ça me fascine. Le skateboard pour les aveugles pourrait être la chose la plus impressionnante de tous les temps. Ok, je suis déjà tombé sur une de ces vidéos. Et c'est impressionnant, regardez-moi ça, c'est ouf. Comment ils font, c'est... Gros respect, hein. Mais le mec est plus fort que moi. Bah oui, logique, je fais pas de skate. En vrai, gros respect à ceux qui font ça, parce que c'est... Les mecs sont quand même aveugles, ils ne voient rien du tout. Comme ceux qui jouent du piano ou je sais pas, ils se disent, les gars, ok, je suis peut-être aveugle, mais j'ai envie d'apprendre ça, donc je vais le faire. Ça, c'est les big boss du game. Ballerine en équilibre sur une bouteille de champagne. What? Elle va vraiment se mettre... J'ai mal pour son orteil, là. J'ai vraiment mal pour son orteil. Ok, mais elle est trop chaude. Ouais, trop chaude. Vous avez compris. Waouh, la photo est incroyable. Il a dit comme moi, le mec. Waouh, that was so cool. Incroyable. Mais elle est trop déter. Par contre, on voit sous sa jupe, voilà. On va flouter ou pas. Le Nairobi, Kenya. J'ai rien compris. Le Nairobi, Kenya. Non, toujours pas. Même si je l'aurais lu trois fois, je comprendrais pas. Bon, en tout cas, je vois une girafe sur un balcon. What? Attends, mais c'est complètement ouf. Un jour, je vais être aussi riche et faire ça dans ma vie. Le mec a des girafes de compagnie, quoi. C'est incroyable, c'est magnifique. Le gars se réveille en mode, allez, je vais nourrir mes girafes, tranquille. Le mec promène ses girafes, quoi. C'est complètement incroyable. Je vous jure qu'un jour, si j'ai assez d'argent, je vous ferai une vidéo YouTube où je nourris des girafes. Voilà, je vous serre la main. Je vous claque une bise, je vous claque une bise. Voilà, je claque une bise. Covid, mais on s'en fout. Non, je rigole, respectez les gestes barrières, c'est super important. Bref, voilà, c'était cette petite vidéo sur le Reddit Next Fucking Level, qui veut dire le niveau au-dessus, putain, en français. Est-ce que j'ai bien traduit, je ne sais pas. Merci d'avoir visionné la vidéo, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me lâcher un énorme pouce bleu. Faut me faire péter la barre des likes, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous plaît, si c'est pas encore fait, abonne-toi en activant la petite cloche, c'est super important. C'était Lulu la machine, salut.